les passionnés, bienvenue sur Esselib, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec K2000 sans kit. Et aujourd'hui, on va retrouver Jean-Bernard qui est venu bien aimablement jusqu'ici pour partager avec moi une parole de proprio. Salut Jean-Bernard. Bonjour. Enchanté et merci d'être venu jusque-là pour partager la passion automobile. Ça fait plaisir, comme ça j'ai fait un petit peu chauffer les bielles. T'as fait chauffer les bielles, tu dis? Bah oui, c'est une vieille voiture, c'est une vieille mamie, elle a été restaurée, faut la faire rouler. Ah, elle a été restaurée? Elle a été restaurée, oui. Bon, alors tu vas nous expliquer. C'est rare de voir cette voiture sur Internet, sur YouTube ou autre, sans K2000, parce que souvent, elle est grimée. C'est quand même une star de série de télé. Et oui, c'est vrai. Hein? On retiendra que la K2000 et pas la Firebird au final. Pourtant, la Firebird, c'est une K2000. La K2000, c'est la Firebird Transam, c'est ça son nom? C'est ça, la première K2000, effectivement, c'était une Transam 82-84. Ouais. D'ailleurs, j'ai même le pare-choc devant ouais. qui est caché dans le coffre. D'accord, bon, on va aller voir après. On va aller voir après si tu veux, il n'y a pas de problème. Ouais. Et effectivement, c'était à la base utilisé, enfin, la vraie voiture K2000, c'était une Transam de 82. Ah, 84. À l'avant, c'était le pare-choc que tout le monde connaît, adapté. K2000 avec la petite LED rouge, ouais. Les pleins de petits phares de partout, intérieur volant coupé, bon courage pour faire des manœuvres, un tableau de bord futuriste, mais très rétro-futuriste ouais, en fait, rétro-futuriste. Avec plein de petits écrans et tout, ouais. Et puis kit qui parlait. Ah bah ça et c'est assez mythique, c'est resté dans l'inconscient collectif. Ah hein. Bah carrément. Et aujourd'hui quand on voit la forme de cette voiture, bah c'est à ça que ça fait penser tout de suite, avant même l'auto. Avant, bah oui carrément, hein, parce que ce qui a rendu célèbre, c'est pas en elle-même la Firebird, c'est la série tout simplement. C'est la série qui a rendu célèbre cette auto, bah, oui. Voilà. Mais moi ce qui m'intéresse aujourd'hui du coup, c'est de voir ce que vaut cette voiture vraiment, sans kit, hein, sans parler de K2000, ouais. On va parler de la Firebird de Pontiac, de oui. Voiture américaine. Pontiac disparu en 2010. C'est pas si vieux, mais non, ça fait une dizaine d'années. Mais c'est un peu compliqué maintenant de trouver un garagiste. Mais non, ça va, ça se passe. Alors, dis-nous tout, tu l'as depuis quand? Combien de kilomètres? Moi, je l'ai acheté en 2019, donc c'est pas si longtemps que ça au final. Je l'ai eu à 182 kilomètres, enfin 182 000 kilomètres, ouais, bien ouais. sûr, parce que 182... Ouais. Très neuve. C'est une quelle année? Ça, c'est une 91. Et moi, alors, je suis 92, donc elle a un plus que moi. Elle a ton âge, elle te va bien, cette auto. Je vous la montre en transverse, comme ça, parce qu'elle a une sacrée ligne, hein, quand même. Hein. Ah ben... hein, le nez, le porte-à-faux avant, il est énorme. Elle fend le vent. Ça n'empêche pas qu'elle consomme à mort. Ah bah, hey, on est sur une voiture américaine ou pas? Bah carrément, hein, ça glougloute plus que ça avance. C'est un V6 qu'elle a dedans, c'est lequel? Ouais, alors, bon bien sûr, elle existait en V8. Hein. Alors moi, j'ai le V6 3 litres 1, 191 cubic inch, qui fait la modique somme de 140 petits chevaux. Donc c'est 140 chevaux seulement? Alors, ah elle ouais en fait un tout petit peu plus, parce qu'il y a eu... petite prépa dessus, mais vraiment de prépa, ouais. Le truc bidon, le truc à air. Je suis passé sur, non même pas, je suis passé en inox. Injecteur gros débit, j'ai une complète inox jusqu'au collecteur, ouais. Ensuite j'ai plus de catalyseur, parce que de toute façon c'est une 91, donc ouais. La législation ça s'arrête, ça commence à 93, donc j'ai dégagé, c'est bon. Juste que je gratte l'étiquette pour le contrôle technique, parce qu'ils vont ouais. voir catalyseur, ils vont dire il est où, ouais. Et ouais, on gagne quelques chevaux, donc je pense, je vais jamais passer au banc, parce que de toute manière elle fait tellement pas puissante, hein. Ouais. Que je pense, ouais, doit peut-être faire 145, peut-être 150, et encore... Hein. Et c'est tout, ouais, c'est vraiment... Cette version Firebird a été sur 5 générations, si je ne m'abuse. Des années 4, 60 4, la cinquième, elle a la pas... La cinquième, c'était... C'est un mythe. C'est pas que c'est un mythe, c'est qu'en fait... parce que vu que les Camaro, c'était les mêmes années, c'était les mêmes voitures, là où la cinquième génération de Camaro est sortie, avec, pour exemple, vous avez juste à regarder le film Transformers, le 1 Bumblebee, c'est une Camaro, ouais. Eh ben ça existait déjà plus. Enfin, ça existait, mais c'était quasiment en train de disparaître, ouais, et, ouais, et ouais. Puis voilà. Sachant que la Firebird, ils l'ont arrêté, la quatrième génération a été arrêtée en 2002. Enfin, les dernières, c'était 2002. Voilà. Quoi. Donc c'est 67 à 2002. Et en fait, quand ils ont sorti la 5e génération de Camaro, bah, il n'y avait pas de Firebird conçu derrière. Et bien la Pontiac Solstice, mais c'est pas là du tout la même chose. C'est encore une autre histoire. Hein. Bah. C'était, ils n'ont pas réitéré. Non, mais c'est quand même une grande carrière sur la, ouais. Sur la Firebird. La 1967. La... Hein. 67, c'est ça. Ah, la donc première Firebird, c'est quand même pas rien. Toi, c'est une des plus belles. Ah, bah, c'est... C'est ce que tu me dis. À mes yeux. De mon point de vue personnel, ouais, effectivement, la troisième génération, la génération third gen F-body, comme on dit, c'est les plus belles. Ah ouais? C'est vraiment... Ça veut dire quoi, ça? F-body, c'est pour le châssis.
qui existe depuis 67 d'ailleurs, ouais. Boros pas exactement. C'est toujours le même. C'est ouais. toujours voilà, un peu une variante. Bah, ouais. Voilà. Tu l'as acheté combien cette auto? Ah, si c'est pas indiscret. Alors, non, parce que si on va parler prix, on va bien rigoler, je pense. Ouais, ah ouais. Je l'ai payé, il a vendu 8006, je l'ai acheté 7000. 7000 euros. 7000 euros. Bah franchement. Mais pas dans cet état-là. Hein. Ah ouais, parce que là, tu l'as fait repeindre. J'ai fait repeindre, j'ai refait le moteur, on a refait vite fait l'intérieur parce qu'il y avait des sièges un peu abîmés, ah ouais. J'ai changé les rétros parce que ça. C'est une voiture importée. Ouais. Et pour la faire importer, il fallait des rétros adaptés à l'Europe. Parce que ça, ah. c'est des rétros US d'accord. que tu as aussi sur K2000. C'est les mêmes que ceux de K2000 ouais, c'est exactement les mêmes. Bah, ils sont beaux, ces petits rétros. Ah, ils sont carrément beaux parce que quand tu magnifiques. Vois les rétros européens, d'ailleurs, c'est tous pourri. Les petits jaloux qui ont les rétros européens. Parce que c'est difficile à trouver. Ah, c'est j'ai eu une chance. Ah ouais. En gros, on peut en avoir aucun problème, mais il faut ouais. mettre la monnaie derrière. Ouais. Sur eBay, par exemple, une paire de rétro US, t'en as pour 150$. Tu rajoutes à ça 100$ d'envoi, ouais. 50$ de taxes, et en France, tu te reprends 20€ de taxes. Ah et ouais, là, donc t'en as pour 300. 300 voilà. Ouais. J'ai acheté en France, le mec il les vendait, je crois qu'il savait pas ce qu'il vendait en fait. Ouais. J'ai acheté 50€ la paire. J'ai vu ça, c'est en plus à mes copains, d'ailleurs si tu me vois, ouais. merci pour les rétros. Une carrosserie complète a été faite, parce que à l'origine, c'était ce noir-là, un peu moins brillant. Et elle était un peu cramée de partout, elle avait pris des coups de soleil quoi. Ouais, ouais. Bah 1991, 30 ans quand même. Ah bah ouais, hein. 30 ans et celle-là, elle a pas beaucoup dormi dans un garage. Firebird. Ouais, et les jantes sont d'origine ouais, je les ai pas fait refaire parce qu'en fait, ça c'est mes jantes hiver. J'ai deux paires de jantes. Ah d'accord. Alors ça, c'est les jantes d'origine de la voiture, faut bien préciser. Ah, ouais. Par contre, la montre n'est pas d'origine. C'est énorme quand même, le 60. T'imagines ouais. la hauteur du pneu. Et pourtant, c'est du 15. Hein. Les feux étaient comme ça d'origine, t'as rien touché là Non, j'ai vu comme ça. Ça, c'est les moins jolis. Ouais. En fait, ils sont aux normes déjà, donc je peux les avoir en France, entre parenthèses. Ouais. Je vais essayer sans, t'es toujours pas les voir en dessous. Sans me salir. Bon courage. Alors, qu'est-ce qu'on y voit en dessous? C'est vrai que c'est bas, c'est pas facile. Deux sorties de peau. Oui, avec un silencieux. Avec un silencieux au milieu, que vous voyez là. Et la deuxième sortie de peau. C'est pas du factice, c'est de l'inox. Du full inox. Full inox, c'est beau. Écoute. Et c'est l'inox alimentaire, même précisé le monsieur. Ah, carrément. Ouais. Il a mis de la qualité. Bah, c'est du sur mesure. Parce que normalement, on achète généralement un silencieux type Magnaflow ou toutes les marques qu'on connaît aux États-Unis. Mais moi, je me suis dit, tiens, pour le même prix, du coup, je leur ferais pas faire en France directement par un mec qui s'y connaît. Je vais voir un mec qui s'y connaissait. Bah, il m'a fait la ligne. Voilà. Un grand capot, un hein. grand capot énorme. Il faut faire gaffe pour le sortir, sinon tu le tords. Ah. Et tout doucement. Enfin, il y a un pliage savant. Un dépliage. Faut le faire ça. Hop, on libère. Ensuite, on vient le lever. Oh là là, oui. Il monte tout seul. Ah, mais il y a double vérin plus tige mécanique. C'est ça. Parce que comme il est lourd aussi. Ouais, ouais, ouais. Bah ouais, j'imagine. Comme tu peux le voir, c'est une voiture catalysée. Catalyste. Pas la mienne. Voilà. Alors du coup, on moteur est... impressionnant. Tu trouves? Il prend de la place quand même. Tu vois que en fait, l'espace qu'il y a là, c'est qu'en fait, quand t'as un V8, ben, le moteur il arrive là. Tout simplement. C'est les cylindres en plus qui remplissent. Parce que là, tu peux te mettre debout dans le moteur pour bricoler. J'ai une photo où je suis dedans en train de frotter. Tu l'as fait? Tu l'as fait? Ouais, mais je passe sur ce téléphone là, ça qui est dommage. Parce que il y a des trucs que j'ai fait moi-même sur la voiture quand le moteur était dehors. D'autres que j'ai laissé un professionnel le faire. Notamment frotter la rouille, bah, c'est moi qui l'ai fait. Ah ouais? Bah oui, la voiture, il y a les cuves aussi. Hein, Ah ouais. Sachant que c'est toujours la batterie d'origine que j'ai eu quand j'ai acheté la voiture. Je pensais qu'elle n'allait pas tenir. Écoute, hein. V6, 3 litres 1, 240 chevaux, bon, un peu plus parce qu'il est un peu plus libéré. Je ne sais pas combien exactement. Ouais. Injection, multipoint quand même. Ouais. Parce qu'elle existe aussi en 2,8 litres carburateur, mais bon. Ouais, ça doit être chiant à régler. Ça. En V8 carbu aussi, double corps, 4 coeurs, enfin bref. J'ai pas à me lancer là-dedans parce qu'il y a tellement de moteurs, j'ai me perdre et je vais me faire insulter par les réponses. Non, mais on est bienveillant ici sur Essai Libre. Ça fait plaisir de voir un moteur sans cache plastique, tu vois, sur les voitures modernes. Oui. On voit plus rien. Là, on voit tout, on voit les courroies, ça fait plaisir. Sachant que c'est une chaîne, ça c'est la courroie d'accessoire. Courroie d'accessoire, c'est une derrière. Chaîne de l'autre côté, d'accord. Yes. En position transversale comme ça, c'est vrai qu'il y a encore de la place. Il y a un porte-à-faux, mais démesuré. Au moins quand tu encastres quelqu'un. Avant que ça touche le châssis, t'as de la marge. Hein. T'as de la marge d'emboutissement. Et puis dedans, il y a un nid d'abeille, il y a une barre anti-encastrement, il y a une barre anti-choc. Et puis, mon carrossier qui avait fait le truc, à la base, il est pas dur comme ça. Hein. Ah ouais. Je crois qu'il me l'a stratifié. Je sais pas ce qu'il a fait, mais normalement, il est tout mou, t'appuies dessus, c'est bleu. Ah ouais. Un peu comme celui qui est dedans. Là. Ah mais d'accord. Je sais pas, il a dû le durcir, je sais pas comment il a fait. Ah, voilà. Après,
trouve que ça lui fait une tête bizarre avec ce pare-choc là. On dirait qu'elle est heureuse la voiture. Oh, ça fait un peu grenouille. Ouais. Le petit aileron, juste une dernière chose avant d'y aller rouler. Ah oui. Le petit aileron, c'est toi qui l'as ajouté? Alors, c'est moi qui l'ai changé. Enfin, j'ai demandé à le changer parce que ouais. En fait, à l'origine, c'est pas celui-là pour ce modèle-là. Ah. C'est un gros machin. D'ailleurs, on voit encore les petites traces de rouille parce que le ouais. mec a voulu les repeindre. C'est un gros aileron qui fait comme ça tout le long de la carrosserie. Oh là là, oui. Et il est vraiment pas beau. En ouais. fait, il va très bien quand t'as le kit aéro qui va avec parce que ça suit les lignes. D'accord. Mais comme je l'ai pas, j'ai fait c'est vraiment vilain. Je vais prendre un 82-84 qui est plus petit, plus sympathique. Donc ça, c'est un aileron de 82-84. Oui, c'est un aileron d'origine. Eh ben, ça lui va pas bien. D'origine, pas pour cette voiture-là, mais c'est d'origine de la marque. Ça lui va bien. Ouais, parce que moi, de toute manière, je fais que des modifications avec des pièces qui ont existé bravo pour la voiture. Bravo JB, bravo JB. Pose un truc, c'est que on va aller faire un petit tour quand même. Ouais, on va aller ressentir l'Amérique on sur la route. On va surtout te faire de la place parce que là, actuellement, tu rentres pas. Là, là je pense que le mètre 88 ne rentrera pas. Non. Et on va s'en occuper, il va falloir qu'on déleste un petit peu l'intérieur de cette auto. Oui, carrément. On va faire ça. T'as le porte-clés Pontiac, c'est de bon ton. C'est un cadeau de ma copine. Ah. Elle a tellement marre de la voiture, du coup elle va quand même vous faire ça. Elle en a marre de la voiture. Ah, bah, elle l'aime pas. Bon, on va dire que je passe un peu trop de temps avec la voiture. Ah, oh, ah c'est pas beau, c'est pas moi, beau. Je l'aime quand même. Il faut comprendre la passion. Donc, on est bien dans K2000 sans kit. Sans kit, ça, on le voit tout de suite par un volant rond et non pas un manche d'avion. Pas comme ça. Là. Ouais, c'est ça. Tout et, comme ça. Et le tableau de bord, eh bien oui, ça mousse creux. C'est la première. Ça mousse creux. Finition à l'américaine, je pense. Ouais, ah bah ça, ça c'est sûr, c'était pas les rois de la finition. C'est beaucoup de... Oh la vache, là par contre... Oh, ah ouais... Non, là c'est neuf, c'est normal. Ah, ça c'est neuf. Ouais, en fait, tu vois ça. Ça c'était pour l'homologation Europe. Et en fait, elles n'ont pas de feu anti-brouillard ces voitures-là. Du coup, ça, c'est, on va dire, les restes d'un anti-brouillard arrière. Alors forcément, ouais. ça, j'en cherche une sur eBay en ce moment. Ouais. Sans rien dessus, parce que moi j'ai pas d'option ici à part ça. Ouais. Et bah, c'est chiant parce que celle-là, elle est cassée au niveau de la pâte ici, c'est pour ça que ça bouge comme ah, ça. Ah d'accord, donc tu cherches un autre module. Ici, c'est pareil. C'est à quoi ça sert ça? Ça? Non, non, le à gauche là. Où ça? Dis-moi. Ça. Ah ça? Oh non, c'est rien, c'est en fait... Si tu l'enlèves, tu as accès à tout ce qui est la colonne de direction, ouais. Crémaillère, compagnie. Ouais. Là. Et en fait, pareil, ils l'ont un peu trop démonté, et la charnière du truc est cassée. Ouais. C'est pour ça qu'il bouge. Donc ça vaut, et ça, tu cherches. Ça coûte pas grand-chose, mais il faut les trouver. Ouais, et pour ça. L'instant, ça tient. Bon, ça fait pas très belle finition, mais bon, voilà quoi. On a toutes des voitures qui ont un certain âge. C'est beau, c'est gros compteur quand même. Ah, moi, j'adore, qui se déporte, ouais, c'est ah, sympa. J'adore. Tous les joints de la voiture sont neufs, sans exception, mais... Ceux du T-Top, je vais devoir les rechanger parce que j'ai pas pris de la bonne marque. T'as une petite fuite ? Oui, ça dépend des moments, mais si on met trop de pression d'eau à ce niveau-là, ça fait plic, plic. Oh merde, oh merde. Mais vraiment, il faut y aller quoi. Ouais. Et parce que de toute manière, les T-Top et tous ceux qui en ont un, ils savent, ça n'a jamais été très étanche. Ah ouais ? C'est... ouais. C'est pas des voitures à faire dormir dehors, je déconseille fortement. Ah oui. Mais ça fait le taf quand même, avec les bons joints, parce que je pense qu'ils ont été mal posés, ou peut-être qu'ils ont mal travaillé, mais déjà, niveau qualité, ouais, je vais rechanger tout. Là, on voit le... Ça, c'est l'origine. Ça, c'est d'origine. On voit, ouais. On voit que c'est un peu décollé. Tu le touches, c'est un peu ouais, carton c'est dégueu. Ouais, carton dégueu. C'est que du carton, en fait. Ouais, bah ouais. Et, wow. plus, et attends. Oh, putain. Je les ai gardés parce que c'était pas encore trop vilain, mais on peut les changer aussi, ils sont en reproduction. Ouais, c'est pas vraiment du vilain carton. Ouais, c'est du... Finition à l'américaine. Ah ouais, à l'américaine. Regarde, c'est du plastique là, c'est du plastique là, c'est du plastique là, ça, c'est du faux cuir. Chanifi, s'il te plaît. Avec des... Oui. C'est quoi l'iseur? C'est d'origine? C'est d'origine. Celui-là n'est pas d'origine, mais l'original, c'est exactement le même, à la différence qu'il n'est pas chromé, celui que j'ai. Mais c'est le même modèle, celui-là provient d'une Cadillac. On est toujours sur le France, jamais, même si c'est une boîte auto, donc ça sert à rien. Boîte auto. Et ça démarre. Oh. Effectivement, il y a un beau bruit. Ah ouais. On dirait un V8. Direction assistée, s'il vous plaît. Direction assistée, régulateur de vitesse, clim, chauffage. Ah, mais il y a tout là. Lecteur radio cassette avec equalizer. Attention, est fonctionnel en plus. On va regarder tout ça, mais il est beau ton volant. Ah, bah oui. Hein, c'est un volant d'origine et ça, c'est un souvenir cadeau d'ancien propriétaire. C'est pas d'origine, mais c'est très sympathique de l'avoir laissé. Bon, écoute, ça alourdit la jante, c'est bien. C'est une boîte 3. Boîte 3.
avec un overdrive. Et les gens se trompent, ils disent 4 vitesses, mais en fait non, c'est 3 plus un overdrive. L'overdrive est là pour empêcher la boîte de trop se fatiguer, entre parenthèses. D'accord. Oh là. Oh. Elle est arrivée trop vite. On a senti la prise en main, la voiture, hein, tu la connais. Elle n'a pas beaucoup de chevaux, mais elle a du couple, c'est quand même pas mal. Ouais, sur le... on a senti, hein, ça partait là. Hop. Oh, mais faut même pas s'amuser à faire la course avec cette voiture-là, tu te fais ridiculiser par des Twingo. Bah oui, non mais... Dis-moi. Cette passion, elle te vient d'où? Parce que t'es passionné de voiture, là, franchement. Eh ben, pas de mon père. Pas de ton père, mais d'où elle vient? Personne de ma famille. C'est vrai, c'est tout seul, tu t'es auto-passionné. Ah non, mais ma famille sont pas... Ils sont pas voitures du tout. Pas voitures. J'ai jamais aimé les voitures récentes. Ah, c'est marrant. C'est trop aseptisé. C'est marrant, les jeunes. Là, il y a une porte. Si t'as envie de te faire une porte, c'est maintenant. Trop tard, papy l'a rangé sa porte. Bah, c'est bien, il a réfléchi. Et c'est trop aseptisé. Il y a tout un charme qui a disparu. C'est vrai. Par contre, t'entends rien. T'es serein dans ta voiture. C'est efficace. Tu ressens rien, quoi. Et puis, non. Ouais. Alors, je me suis tourné vers ces vieilles voitures qu'on appelait les Young Timers. Young Timer, ouais. La conso, qu'est-ce que ça donne? Le V6, il tourne à 12 litres au 100 moyenne en injection. 12 litres au 100. Sous réserve que tu roules comme un papy, exactement comme moi. Ouais. Sinon, dès que tu commences un peu à faire comme j'ai fait tout à l'heure, bah là tu montes à 20, 22. Et là t'es ouh, des fois c'est bon. Ouais. Il y a eu un problème aussi. Une fois j'étais vraiment à 130, 140, j'ai vu l'aiguille descendre. Et c'est parce qu'en fait je perdais de l'essence. Mais tu roules beaucoup? Énormément. Ah ouais. Pourtant, elle n'a pas tant de kilomètres que ça, c'est parce que je ne l'ai pas depuis si longtemps que ça. Et je lui mets beaucoup. Dès que je l'ai, je lui mets beaucoup de kilomètres. Si vous aimez cette petite vidéo, hein, je rappelle, le petit pouce bleu, c'est toujours sympathique. Et c'est libre, pour mes mots, c'est une vidéo tous les dimanches matin quand même, avec petit bol de café. Oui, hein. Ça, c'est vrai. On est là avec son petit bol de café, son croissant, et puis on regarde sa vidéo, et c'est libre, sur la passion automobile. Et ce matin, on est dans la passion américaine, ça fait plaisir. Bah, carrément. Ah, carrément. D'ailleurs, faut pas hésiter à présenter sa voiture, faut pas avoir peur, faut les sortir du garage. Mais oui, faut venir la présenter. N'hésitez pas, pour me retrouver, faire une parole de proprio comme JB, vous écrivez à l'adresse mail qui figure en dessous dans la description de la vidéo. Celui qui serait intéressé, qu'est-ce que tu conseilles ou pas, et quels sont les défauts quelque part? Déjà, ne faites pas ce que j'ai fait. Prenez quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Ouais, ah ouais. Parce que nous, on y est parti. J'ai pris un collègue avec moi. Ouais. Il était plutôt allemande. Ouais. Et du coup, on s'est un peu fait pigeonner sur l'histoire, quoi. Mais non. Alors, c'est accessible. Ces modèles-là sont encore accessibles. Ouais, ouais. Ça commence à monter à cause des spéculateurs qui mettent des prix. Qui mettent des prix hallucinants pour des véhicules qui ne valent pas encore ça. Par exemple, j'ai vu l'équivalent de la mienne avec le même moteur. Pourtant, c'est annoncé 3 litres de l'or, ça n'existe pas. Le mec, il la met à 20 000 euros. Fait oui, bien sûr, on y croit tous. Hein. Mais voilà. Là, 7 000 euros, franchement. Une comme ça, 7 000 euros, ça se trouve sans problème. Après, la mienne est vraiment refaite de, voilà, de quasiment A à Z. Non, elle a le code plus. Elle vaut bien plus. Ouais. Mais à 7 000 euros, vous avez normalement une auto... un peu fatigué niveau carrosserie, mais ça c'est l'autre, toutes les voitures qui ont plus de 30 ans, avec peut-être un truc ou deux de cassé dedans. Il y en a une qui est en vente il n'y a pas longtemps, même couleur et tout, même année. Il y a juste le compteur kilométrique qui marche plus, mais un compteur ça vaut 90 euros sur eBay. Après c'est de l'occasion, hein. Mais normalement ça fonctionne. Ouais. Et voilà, vous mettez 100 euros de plus dedans et normalement la voiture elle est bonne. Bien sûr vendu avec un CT. Hein. Ah non, parce que oui, 7000 euros c'est avec le contrôle technique. Hein. Ah oui, oui. Faut pas non plus abuser. Quoi. Et le vrai défaut de cette voiture, du coup, si t'en as, c'est ce qui fait son charme, certainement. Vrai défaut, j'irai la consommation parce que tout le reste ça va en fait. Moi j'aime bien. Le volant, il est. C'est une direction assistée, il y a un régulateur de vitesse, il y a la clim, il y a l'autoradio, j'ai pas besoin de plus. Les rétros sont électriques. Ouais. Certaines ont l'option siège électrique. Non, franchement, c'est bon. Allez, je dirais la place parce que forcément, c'est une coupée. Ouais. Bon, une coupée 4 places quand même, faut quand même le dire. Il y a un peu de place derrière, effectivement, pour des enfants. Et là, regarde-moi ces belles routes. Oh, bah, carrément. Ah, c'est sympa ici. Hein. T'as encore un rêve, tu vas la garder, tu veux la revendre. La même en V8. Tu veux la même en V8, c'est ça. Oh, oui. C'est beau. C'est sonore. Ah. Là, tu vois, là j'ai fait une bêtise. Pourquoi? Bah parce que j'étais déjà en overdrive. En fait, je me fais avoir souvent. Ah oui. J'ai tapé dedans alors qu'il fallait pas. Ah ouais. Et du coup, elle a pris plus de temps à partir. Et le problème, c'est que ça force sur la boîte. C'est une voiture qui vit, hein. On sent qu'il faut la tenir quand même. Ah bon? Non, ça va. Non, ça va. Ouais.
j'ai fait rénover la voiture. Moi, j'ai eu confiance dans cette voiture. Bon, ouais, ouais. Et derrière, j'ai moins confiance, mais ouais, cette année, ça va. Beau long capot qu'on voit, ça fait plaisir aussi. Et après, quand tu fais ça... Et le pop-up, magnifique ça, du le coup, pop-up. C'est plus sympa de l'intérieur que l'extérieur, je trouve. Mais ouais, c'est vrai. Ça lui fait une sale tête avec ces phares-là, ça sera mieux avec les prochains. Ouais. Là, quand elle sera refaite, t'enverrai des photos, si tu veux. Ah ça, oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on est en position super allongée, c'est vachement agréable. Moi, je roule à la Guadeloupéenne, c'est-à-dire que je me cache dans ma voiture, on voit que ma tête. Ah, c'est ça, rouler à la Guadeloupéenne. Petit Guadeloupéen, hein. Ah ouais. Non, là, c'est drôle. Je suis pas vraiment Guadeloupéen, à la Ilienne, voilà, de tous les mecs des îles, 974, 972, 973, tout, c'est tous comme ça, là. Mais moi, je fais pareil, n'inquiétez pas, les gars, vous n'êtes pas tout seul. On est parti avec... Ça fait une sensation, ça fait plaisir de conduire un mythe d'une série télévisée. Bah oui. Hein. Hein, c'est ça aussi, puis c'est une voiture américaine. Moi, j'aime toutes les voitures, tu sais, je suis dans ma passion, je suis XXL. Faut pas se limiter aux américaines. Hein. Toutes les nations font d'excellentes voitures, d'exception. Surtout les autres nations. Exactement. Mais là, voilà, mais t'es fleur à peine que... Ah bah oui. Hein. Ça fait plaisir. Il veut s'libérer, mais il a pas beaucoup à libérer, donc du coup... il fait beaucoup de bruit et il avance pas plus que ça. Ah, tu peux y aller, hein, t'inquiète. Hein. Il y a une inertie au V6. Là, comme c'est une boîte auto, il faut que je relâche l'accélérateur quand Non, tu peux le faire en pendant, là, ça change rien. Vas-y, ouais, hop. C'est tout. Allez, c'est fait. Et maintenant, on peut y aller. Et en fait, comme c'est une boîte auto à l'ancienne, il y a un temps de réponse. Il y a quand même un léger flottement, on peut pas dire que c'est une direction super précise. Tu non, vois. Bah, comme je te dis, c'est un boîtier. Ouais, ouais. C'est pas une crémaillère. Forcément, t'as un jeu mort. Ouais, c'est ça. Si tu le sais pas, ouais. Tu peux te faire des sueurs froides. Oui, oui. Mais moi, j'ai l'habitude. Donc c'est toi, tu la connais, tu la connais bien. Ma toute première voiture, c'est une voiture de l'armée de terre et il n'y avait pas de direction citée dessus. Donc Mais voiture de l'armée de terre, c'était quoi là, le J5 La P4. La fameuse P4. La fameuse P4. T'as été militaire? Je suis toujours militaire. Ah, t'es toujours militaire? Je savais pas. Plus d'active. Ah, d'accord. Attends, je me suis rasé. Je me suis coupé les cheveux. Ah, t'es un militaire, c'est ton métier? Oui. Ah, tu vois, t'accélères, t'as l'impression que tu vas... On a l'impression qu'on défonce tout, mais non, j'ai fleur à peine, je vous le dis, j'ai fleur à peine l'accélérateur. Et tu vois le tour minute, il est très haut. Mais... Regarde, les tours minutes, je vous montre, là. Regarde, écoute ça le bombardement, on est à peine à 2000 tours. c'est énorme, j'adore. Et là, JB, entre les murs, oui. Entre les murs vas-y, des maisons. Vas-y, fais-toi plaisir, réveille les voisins. Regarde, là, précisément ici. C'est bon. Ah, il y a un mur qui s'est effondré là-bas. Moi, j'ai dit, dans mon garage, il va me falloir un V8. Oh, mais il faut. À un moment donné, quand t'es passionné, comme on peut l'être, à un moment donné, il faut un V8. Un jour, tu l'auras aussi, toi, avec. Franchement. C'est ton objectif. Oh oui, j'espère que ma copine ne verra pas la vidéo. Oh merde. Franchement, il y a moyen que si j'ai une occasion à saisir. Tu revends celle-là. Ah, la revente, je sais pas, garder tête les deux. Hop, ah non, ça fait trop. Ah ouais. Non, parce que celle-là. Elle est attachée. Est liée, ouais. Avec toutes les choses qui sont arrivées avec cette voiture. T'as un petit attachement, ouais. Ah bah oui, c'est ça. T'as un canard boiteux cette voiture. C'est le vilain petit canard noir. C'est un vilain petit canard, mais tu l'as bien. Ah bah j'ai. Franchement, elle est pas mal là. Après, hein. J'y ai mis le billet aussi. Hein. Faut pas être radin quoi. Et faut trouver les bonnes personnes aussi. C'est toute une chose. Elle est très agréable ta voiture. Ah mais elle se conduit. Ouais, ça. Faut pas avoir peur de la voiture. Bon, c'est une propulsion, faut le savoir quand même. Oui, y a pas d'ABS, y a pas de patinage. Par contre, c'est une direction assistée. Elle est plutôt précise pour son âge, ça va. Ouais. Faut quand même se rappeler que c'est un boîtier de direction, donc faut faire attention quand même. Moi, elle m'incite à cruiser, tu vois, à cruiser au mais volant. Dans ce moteur-là est fait pour ça, de toute manière. Ah c'est ouais, cruiser. C'est. Taper des pointes avec, ça marche. Tu vas pas aller très vite. Oui. Ça va te pousser dans tous les sens, mais c'est pas intéressant. Même sur les V8, finalement, de cette époque-là, ça vaut... C'était il y a 30 ans, quoi. Il y a 30 ans, c'était cohérent. Maintenant, c'est complètement dépassé. Non, mais ça, clairement, les temps ont bien changé, hein, vu dans quel monde on est aujourd'hui. Non, ça se roule, ça se roule bien. Moi, j'ai rien à dire dessus. Alors, je vais passer en marche arrière. Vas-y, faut chercher le R. Et là, t'as juste à lâcher la pédale et elle va partir toute seule. Ah, bah, elle y va. Ouais. Et écoute, merci pour le prêt du volant et ta confiance, hein, mais j'ai à mon actif quelques centaines de voitures. Ah, il y a moyen. C'était la 101ème. Je ne sais pas, bien plus que ça, à mon avis. Je pense. T'as dit 100, Non, mais je pense qu'on est à 580 vidéos. 580 voitures.
Non, peut-être pas. Parce qu'il y a des au début, je conduisais pas trop les voitures des proprios, mais plusieurs centaines en fait, en tout cas. Allez, un coup de P. Un coup de P. Tu lâches la pédale, tu la laisses. Non, tu vas voir la voiture faire. Voilà. C'est parce que c'est la boîte freine en fait. Une fois que c'est bon, tu peux couper le contact. Et on peut couper là. Comment t'appelles ça? C'est un T-top. Un T-top. Et pas tip-top comme beaucoup de personnes disent. Ça n'est pas un tip-top, c'est un T-top avec deux verres que tu peux faire sauter. Mais carrément, voilà. Et on va le faire. Tu vas le faire, tu veux le faire? Oui, carrément, je veux le faire, il fait beau. Allez, bah écoute, tu vas rouler comme ça après. Allez, banco. On ouvre le coffre. Et t'as la petite housse qui va bien. Alors cette plaque, alors elle est magnifique. Hein. On le montre à nos amis, ça c'est superbe. Hein. Ce n'est pas la plaque de la voiture malheureusement, c'est la plaque d'une autre voiture sur laquelle j'ai récupéré le pare-choc. Ouais, bah elle, j'adore la plaque californienne, c'est magnifique. Et je sais pas encore ce que je vais en faire, mais je la garde parce que j'adore. T'as bien raison. Oui, ça fait des belles plaques. Ouais. C'est un truc vilain, là. Ouais. Hop. Alors déjà, on va retirer ça parce que sinon ça va gêner. Ça, c'est la housse de toit en simili-cuir. Yes. Ensuite. Pour faire simple, on commence par côté passager ou conducteur. On ouvre la porte sans qu'elle se revienne dans la face. Il y a une petite poignée là, juste là. Pouf, on enlève et on prend. Ah oui, oh bah c'est super rapide. Ah oui, c'est rapide. Ah là là. Le plus chiant, c'est de le ranger. Ah ouais. Alors attends, je vais t'aider. C'est un toit de verre, donc faut vraiment faire attention. Ouais. Et il y a un sens. Et généralement, je me trompe tout le temps de sens. Là, je crois que je suis déjà mal parti. Mais c'est pas grave. Hop, on le met bien au fond. Ouais. Une fois qu'il est bien en fond, non, le fait pas. Ah, il y a une autre. Ouais, parce qu'il faut bien ranger l'autre côté. Alors l'autre, voilà. Bah, c'est pareil, hein. Hop, on ouvre la porte, pas forcément s'il avait été ouverte, mais moi je préfère. On vient choper la poignée. Hop, on libère. Oh, c'est facile et rapide, effectivement. L'américaine dans toute sa splendeur. Et puis là, j'ai un t-shirt essai libre avec la deux chevaux. La Dodoge verte. Et la Dodoge verte, c'était une super voiture. Hein. Ben attends. Il faut en avoir une, j'en aurais une. Mais toutes les voitures sont bien. Moi, j'ai dans ma passion XXL, j'adore. Elle fait aussi autos. Un 0 à 100. Toutes les. Elle tout, voilà. Donc, si vous êtes intéressé par ces t-shirts, hein, je rappelle, vous trouvez les liens dans la description de la vidéo. Bientôt, une nouvelle gamme développée sur essai libre de t-shirts. En lien avec l'automobile, ça fait toujours plaisir. Bah carrément. Voilà. Bon, alors écoute JB, franchement, merci d'être venu jusque-là, d'avoir partagé ta passion automobile. Et en tout cas, ce qui fait plaisir ce matin, c'est qu'on a vu une Pontiac Firebird sans kit, sans parler de K2000, tu vois. Allez, sans kit aéro. Sans kit avec deux T. Hein, oui. Parce que voilà, ça fait plaisir de voir la vraie voiture. À l'état naturel, j'ai envie de te dire, vrai, pas transformé. Parce que souvent les gens quand sur internet, on la voit toujours transformée. Quand les gens ils achètent ce modèle-là, souvent ils la gardent pas d'origine. Hein. C'est une base pour en faire une réplique K2000. Bon, pas avec le bon moteur et pas le bon capot, bien sûr. Ouais. Mais voilà, les répliques K2000, ça court les rues. On voit tout ça sur YouTube, mais on voit pas toujours des naturels. Des standards. Des standards, voilà, des standards, exactement. Alors merci pour ça, JB. Et puis, ça me fait plaisir de la montrer. Eh ben, écoute, bonne route dans ton daily si atypique et exceptionnel. Si vous avez aimé cette petite vidéo, qu'est-ce qu'il convient de faire, JB? Quand on aime une vidéo, on... Mettez un pouce bleu. Ah oui, un pouce bleu. À vous niveau la chaîne. Abonnez-vous. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Plus on est, plus c'est drôle. Et mettez le... Comment ça s'appelle le truc là pour faire, faire. Pour savoir quand la vidéo est sortie. Là, activez la petite cloche. La petite cloche, il faut activer la petite cloche si vous voulez être au courant des futures vidéos sur essai libre. C'est une vidéo tous les dimanches matin avec son petit bol de café. Exactement. Voilà, même si vous buvez autre chose, c'est pas grave, on prend quand même. On se dit à très bientôt. Et puis surtout, ce qu'on va continuer à faire, JB, on va continuer à vivre sa passion. Carrément. Hein, sa passion automobile. Sortez vos voitures, n'ayez pas peur. En américaine, en japonaise, en française, en ce qu'on veut. Mais vivez votre passion. Non, à bientôt les amis, salut JB. Au revoir. Ciao.